Salut à tous les amis, c'est Karen254. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo info sur Pokémon Soleil et Lune. Oh mon dieu, de nouvelles informations, c'est parti! À ce qui paraît, il y a de nouveaux Pokémon, c'est 7 ou 8, je crois, 7. Ouais, c'est ça. 7 nouveaux Pokémon qui ont été annoncés. C'est parti, on commence la vidéo. Une foule de Pokémon. Désolé, je fais vite fait en arrière pour lire ce qu'il y avait marqué. Le gardien de Mélé, on sait du moins le nom de l'île. Le nom de l'île de départ où on démarrera l'aventure sera Mélé. C'est un Pokémon qui s'appelle Tocorico, un Pokémon de type électrique et fée. Et il aura le talent éclair et une nouvelle capacité irréelle de la nature. Ah oui, le Pokémon qu'on avait vu dans la première info Pokémon, c'était l'Avribulle évolue. Wait, what? C'est quoi ce Pokémon? What? Limite, ça aurait été pas mieux qu'il n'ait pas d'évolution, enfin, bref. J'apprécie pas trop le Pokémon là. Qu'est-ce qu'ils nous ont inventé là? Bon, enfin, bref, il s'appelle Chrysatile, de type insecte électrique, et son talent sera batterie. Encore une autre évolution. Son évolution sera Lucanon, de type insecte électrique, ça change pas. Son talent sera lévitation. Un cube? C'est littéralement ça, c'est littéralement un cube de Minecraft. Faut avouer, par contre, cette dernière forme évoluée, elle est plutôt classe. J'accorde. Wait, what? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait à un dragon là? Pour être honnête, c'est quoi ce dragon? Bon, enfin bref, son nom c'est Dreyus. Le type normal est dragon, talent dracolaire et herbivore. Bon bah ça va être un herbivore. Non mais what? Kezako, c'est quoi ce Pokémon? Enfin bref, bon. Quasiment ce design, bon, ils auraient pas pu faire mieux. Wait, c'est... Ah, c'est quoi ces Pokémon? Ils se sont inspirés de Digimon, ma parole, je vous jure. Les Pokémon qui sont là, je le dis. Honnêtement, je dis haut et fort, j'ai l'impression de voir plus des Digimon qu'autre chose. Enfin, bref. C'est Tanditrice, de type eau et psy, talent corps coloré et désolé si j'arrive pas à le dire. Progage. Ouais, ils nous ont fait un moustique. Ou quoi? Ça, je dis, ça peut plus ou moins passer, mais c'est un moustique, ça, ma parole. Ça, c'est un moustique que j'écrase, ça. Enfin, il s'appelle Bombidou, de type insecte fée, et son talent sont recherche miel et crampoudre. Je suis désolée pour avoir un niveau un peu bafou. Il aura vampirique. Ça, c'est un Pokémon que je sens que il est cute, il est trop cute. Et bon, Tong de Maro, il est de type électrique acier, chose qui n'est pas très courant généralement. Talent épine de fer
et Paratonnerre. Sérieux? Sinon, les Pokémon qu'ils ont montrés, c'est du poche-poche-père. Découvrez toute la puissance de Zygarde. Ouais, ça, on avait déjà un peu parlé dans le dernier épisode des infos Pokémon. Bon, bah c'est bon, là, on vient de terminer la vidéo. N'oubliez pas de... Dites-moi sinon dans les commentaires comment vous trouvez ces Pokémon, etc. Moi, je les trouve plutôt bizarres, c'est mon point de vue. Mais d'autres vont plus les adorer qu'autre chose. Sinon, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner. Sur ce, Diana!